Woohoo! Yeah, baby! On est de retour au Panama, sur le bateau. Oh my God, yay! Bon, mais là, on va aller faire du parapente. Je suis le premier pour la raison que les conditions, on va prendre plus de vent pour les plus pesants. Puis après ça, dans la soirée, quand le vent va baisser, mais Véro, toi, tu vas finir la ride. C'est les dodus qui commencent. Ouais, c'est ceux-là qui font bien de la bédaine. Puis, ben, je cacherai pas que j'ai peur, j'ai jamais fait ça, mais notre devise, nous, c'est de convaincre qu'il faut dépasser nos peurs. Exactement. Faut passer au-delà de la zone de confort. Puis ce soir, ben, c'est une autre étape encore dans ma vie. Vraiment content, puis je suis impatient de le faire, mais je vous cacherai pas que... Ah! More higher. On vous présente notre pilote. C'est lui qui va nous faire voler dans le ciel. Mais avant, on doit monter la dune une autre fois aujourd'hui. Ouh. Regardez, il nous explique qu'il y a des taches plus foncées. Qu'est-ce que ça cause ça dans l'environnement avec le parapente, c'est que ces endroits-là, l'air est plus chaud. Et quand on passe en haut de ça, vu que c'est de l'air plus chaud, ça nous pousse à aller plus haut. Alors c'est très instable. C'est du fer en fait, qu'il disait aussi. Exactement. Et habituellement, faire du parapente en haut d'une montagne, on a plutôt seulement les courants. Maintenant, en plus d'avoir les courants, on a les plaques thermiques qui viennent se croiser tous ensemble. Ça fait que c'est encore plus complexe. Expliquer, c'était pas pour n'importe qui faire ça ici. We go in a few minutes. We put the gliders straight in the direction of the wind. So now it's easy. The direction of the wind is exactly straight. So we put the glider there. Then I connect you. You be in front of me. So it's really important. If I move to some place, you move with me. That is only the takeoff. In the air, don't worry. Some you don't need to do nothing. But the most important is when we be connected before the takeoff, I put up the glider, and from the energy of the wind, we make backwards. So if you don't be prepared with your weight in front, most of all the time the people go backwards and falling. You put your weight forward and walking forward. So when I tell you when be in the air, I tell you lean back. You go lean back, but you put your knees up. Higher than the shoulder, or no, in your chest. On your chest. Like when you do a backflip, something like that. Okay. Yeah. So I give you a little kick, and you be into the harness, like perfect. Scooping you. Yeah. Really okay, comfortable. I know what you mean. Nice. And then for the landing, it's like we land in here. So here the wind, it's more strong than down. Down is really easy. But here I tell you when we be 3 meters to the ground, I tell you like. Prepare for running, like you need to go out to the chair and be prepared for running a little bit, like 3-4 steps, and then we break the glider. Perfect. And don't pass nothing, no? Okay. Nice. Solo it's easy. Solo we need to be active. Comment tu te sens quelques minutes de ton vol? Ça fait mon affaire d'être le premier. Pour le stress, tout ça, mais en étant le premier, après ça, je pense que ça va être déjà brisé. Les hauteurs, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie tant que ça, mais être suspendu dans les airs, c'est une autre situation que j'ai jamais, vécue. Fait que c'est pour ça que j'ai des appréhensions un peu... Ça va bien aller. Ouais. Ah, oh, tout d'un coup, je me sens le rythme cardiaque. Came backwards, we don't go yet. Yes, running down, running down. Yeah. Woo-hoo!
wait for the wind. Lean back. Please have your chest. Woohoo! Yeah, baby! Oh, wow! Oh, yeah! 1, 2, and 3. Run in front, run in front. Run, 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 run. Lean back. Knees up your chest. Okay. Okay. Oh my god. C'est cool. Oh, c'est cool. Au loin, on peut voir la terre promise, Promised Land, qu'il appelle. C'est en fait un village de personnes qui habitent là sans électricité, sans eau courante. C'est très, très pauvre. Puis ils sont là parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre en 2007. Toutes les familles qui ont été touchées par ce tremblement de terre-là ont été relocalisées là parce que le gouvernement promettait qu'il y aurait éventuellement des services, l'eau et tout. Mais c'est encore pas le cas. Puis on est en 2022, là. Donc ça fait plusieurs années que ces personnes-là vivent là, comme ça, dans le désert. C'est des conditions hyper difficiles, là. Pas d'eau courante, imaginez. Un désert comme ça, ils n'ont même pas d'auto. C'est vraiment très, très pauvre. Notre pilote, c'est ça qu'il nous expliquait. C'est vraiment triste. Oh my God, so smooth! Oh wow, guys! Oh wow! Oh my God! Oh wow! Your job is amazing, yeah, man! Thanks. Oh my god. Woohoo! Awesome, guys! Wow, man! I love your sport! You know what? It's like a wave. No, inside. It's pure. Ah, pure. Yeah. It's impossible to be negative. It's like divine for me. Exactly! It's fly. Divine, man! It's fly. It's... Wow! Beautiful! So wow! Thanks for trust. Woo! This is called Pinot. Oh yeah! Oh yeah! Woo! Awesome, man! I believe I can fly. I believe we can touch the sky. I don't know more. Oh man, that's awesome. No, we need to win. Escape! Oh yeah! Oh no! It's good? Yeah, it's good. It's here, okay. I try to. Okay, it's catch a thermic. Here! Here? Oh, here. You feel? Yeah, you feel it because when we pass, we go high. Oh yeah! Fresh. Yes! Yes! We turn and we catch it and we go again. Oh my god, man! Wow! With the oasis, it's like a miracle. Yeah, it's beautiful. Yeah, it's here beautiful. Is good. Oh
my favorite part. On atterrit! For here, you prepare for standing up in 1, 2, and 3. Okay. Okay, you got it. In front. Front? Yeah, it's okay. Okay. Quelle expérience! On s'est fait envoyer en l'air, les trois! Bonne réplique! Moi, il y a un petit problème. Je suis trop pesant par rapport au vent. Ouais, au vent. Il n'y avait pas tant de vent que ça. Même toi, Véro, tu n'as pas eu le délai. Mais gars, on l'a vécu, puis ça fait partie de la game aussi. Comme qu'il disait, c'est le vent, c'est le boss. Exact. Ouais. Comme partie en voilier. Exactement. Partie remise au Sahara! Yeah! Coucou, les amis! On est en couple ce soir, moi puis Véronique, puis Alexandre est resté à l'hostel. C'est notre dernière soirée à Wakachina. On a passé des moments magiques ici. Puis ça nous tentait de faire à pied la dernière, la plus grande dune. Grande. Alentour de l'Oasis. Donc c'est ce qu'on entreprend présentement. Puis on prend supposément le chemin le plus facile. Ça va être quelque chose. C'est tellement intense, là. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti. Tu sens déjà là, que t'en demandes à ton corps. L'acide lactique monte dans les cuisses. Le rythme cardiaque s'intensifie. Wouh! Damn! Come on! Et rien qui va nous arrêter. Pas une dune de sable. Pas un océan. Rien. On savoure nos dernières minutes au Pérou. C'est ici que notre voyage se termine et on rentre sous peu au Panama. À notre bateau. Le peuple pérouvien restera gravé dans nos cœurs comme symbole de diligence et de persévérance. Comme eux, nous devons tous nous adapter à faire face aux épreuves que la vie nous envoie. On est prêts pour la suite, prêts à retourner à notre bateau et relever n'importe quel défi qui se dressera sur notre route. Merci à vous tous d'être là. Un merci tout spécial à notre nouveau contributeur Patreon, Alex P. On est de retour au Panama sur le bateau! Oh my god, yay! On a passé un super beau voyage au Pérou de 2 semaines. Ça a passé vite quand même. Et ça nous a permis de lâcher notre fou, d'avoir du plaisir, de décrocher. Ça a vraiment fait du bien au moral de l'équipage complet. Comme des enfants! Avant d'aller au Pérou, on a envoyé une mise en demeure aux anciens propriétaires demandant l'annulation de la transaction. Puis eux avaient 10 jours pour venir constater les dommages sur le catamaran ou envoyer un expert à leur place. Puis ils sont pas venus constater les dommages. Puis ils ont pas envoyé d'expert non plus. On a lu vos commentaires. On sait que le voyage au Pérou, ça a pas plu à tout le monde. Ce que vous voulez voir, c'est de la voie, de la navigation et tout ça sur le bateau. On le sait. Puis croyez-nous, là, c'est pas ce qu'on avait l'intention de faire, nous non plus. On a acheté ce catamaran-là qui devait être clé en main. Nous, tout de suite, là, on voulait continuer à faire notre tour du monde. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, puis elle nous a envoyé ces obstacles-là. Oui, on garde une belle attitude, mais on est des humains, là, on a des hauts, on a des bas. C'est pas facile comme situation à gérer. On est un peu découragés. La quille est toute délaminée. On va vous tenir au courant le plus qu'on peut. On va faire des mises à jour récurrentes dans les prochains épisodes aussi, parce que la situation, elle évolue. On s'est retrouvé les mains liées. Notre visa au Panama de 6 mois était expiré, donc on devait sortir du pays pour pouvoir réentrer. On a dû faire des concessions, là. Vous comprenez que c'est pas ça qu'on avait envisagé de faire. On voulait sortir du pays avec le bateau et continuer notre route, mais on peut pas, là. Être en attente sans savoir ce que l'avenir nous réserve, c'est pas évident, là. Surtout qu'on publie notre vie sur les réseaux sociaux, donc vous l'apprenez presque en même temps que nous, là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est continuer notre vie, continuer à vous filmer des vidéos, publier ça sur YouTube pour inspirer d'autres gens à réaliser leurs rêves. Mais c'est ça, fait que c'est la petite mise à jour que je voulais vous faire. On est super heureux d'être de retour sur le bateau, puis on a hâte pour la suite. C'est quoi un Interprotect? Pour ceux qui connaissent pas ça, là, ils vont sûrement se poser la question pourquoi il y a plusieurs couches de différents... Interprotect, c'est ce qui fait ton étanchéité. C'est une couche de protection qui est pour le fait d'hiver, hein? C'est ouais, ça, en est... premier lieu. Puis suite à ça, il y a l'antifouling, le truc bleu que vous voyez, peut-être de différentes couleurs, que ça ne sèche jamais en réalité. Puis les coquillages, tout ça, ne colleront pas sur l'antifouling. L'antifouling, il faut le faire aux 2 ans. Comme vous pouvez voir, on se prépare à retourner à l'eau. Hier, on a lavé le dinghy. Puis aujourd'hui, on va faire une patch. Nous allons décontaminer le dinghy, puis on va mettre la colle. D'une colle à Louis. Combien de temps environ de séchage l'as-tu lu? 30 minutes. 30 minutes?
Wow! Faites un tour de magie, Louis, 30 minutes. Parti du premier coup! Après deux semaines, Yamaha! Voilà, on l'a remis à son stationnement habituel jusqu'à temps qu'on remette le kata à l'eau. Jeudi prochain! Qu'est-ce qui vient? Bon, qui vient encore nous déranger? Hello, oui. Mais vous êtes là? Je pensais que vous m'aviez abandonné! Maman! Papa! Ouais! Tellement heureuse de vous revoir! Oui, oui! Laisse-les rentrer! J'ai tellement de choses à vous raconter! Je me suis fait plein d'amis! Ils me trouvent génial d'habiter sur un voilier! Ah, maman! Je m'ennuyais de nos nuits collées à dormir ensemble! Je devais dormir toute seule! Pour la première fois de ma vie! Mais tu m'as choisi une bonne garderie, par exemple. Ah, papa! Je m'ennuyais de nos moments sur la trampoline à regarder les étoiles ou les poissons. Todo bien? Je suis prête. C'est quoi notre prochaine aventure? Ouais! La semaine prochaine, on remet le bateau à l'eau. Non, ce n'est pas dans les conditions qu'on aurait espérées, mais on est plus qu'heureux de retourner sur l'eau. À la prochaine! Bon, là, je vais réaliser à quel point que... En tout cas, l'air, pour... pas l'air, mais en tout cas, comment je pourrais expliquer? He told me 85, but maybe it's 90. Puis là, il a menti son poids! C'est pour ça qu'il a atterri! Oh, don't crash, OK? Don't worry.